Bonjour tout le monde! On est à l'émission des petits moments impermiéreux et aujourd'hui, notre premier reportage est fait par Juslenus et qui va nous parler des pixies. Mm-hmm. Hey, salut! on est en train de se déconfiturer, là. Hein? Ouais, là, tu sais, on est confituré chez nous, là. Ben là, ça achève, là. Oui, parce que là, as-tu vu à Montréal? Non, j'ai pas vu à Montréal, qu'est-ce qu'il y a? Oui, à Montréal, ils ont sorti les biscuits à pédale, là. Tu sais, là, que quand tu payes une pièce, là, puis tu fais 100 pieds, puis tu remets dans le rack. Les biscuits, là? Ben oui. Et là, ils vont... Ben là, ben oui, c'est sécuritaire. Oui, ils vont les laver. Ben oui, souvent. Puis là, faut se laver. Ils ont dit que faut se laver les mains avant. On va se laver les mains avant, puis on débarque du Big T pour se laver les mains encore une fois. Ouais. Mais là, il y a une affaire qui marche pas, rien. Parce que là, je sais pas trop, là, mais. Il dit qu'il faut garder la distillerie sociale, là, de 2 mètres. Ouais, la distanciation, ouais. Là. Ouais, c'est ça. Puis, mais là, je sais pas comment. Il n'y a pas personne qui va prendre le vélo, là. À cause de cette distillerie-là, là, de tension de 2 mètres, là. Non. T'as-tu déjà essayé d'embarquer dans un vélo, toi, à 2 mètres? J'ai jamais essayé. Hey, c'est loin, 2 mètres, là. Moi, j'ai essayé, là, un matin, pour le fun. Puis, le plus loin, je me suis rendu, c'est sur le tailleur d'un allier. Ouais, à cheval. Ouais. Fait que, d'après moi, il n'y en a pas bien qu'on apprend. Ah, peut-être. À moi, il faudrait qu'ils mettent ça au moins à 1 mètre. Ouais, à 1 mètre, ça serait plus facile, hein? À 1 mètre, il y aurait plus de chance. Ouais. Mais c'est sûr que quand t'arrives à la salle, faut que tu te serres les fesses, par exemple. Ouais, comme tu dis, faut se serrer les fesses. En tout cas, merci, Stianus, pour ce beau petit reportage. Ah, moi, je voulais savoir, là, aujourd'hui, au point de presse, M. Legault, il a dit qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin. C'est-tu parce qu'ils vont fermer la SAQ? Parce que, moi, j'ai déjà essayé ça, mettre de l'eau dans mon vin, puis c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, c'est pas bon du tout. Alors, je voulais savoir... S'il ferme les SAQ, il y a beaucoup de monde qui va être en panique. Là, moi, je vous le dis, là, ça sera pas drôle. Là, ça va être l'émeute là, dans les rues. Là. Ça va être comme une petite toilette. Là, tout le monde va capoter. Là. Fait que, en tout cas, si quelqu'un a la réponse, vous pouvez toujours m'écrire en privé pour me dire s'il voulait juste dire mettre de l'eau dans son vin comme ça, là, puis qu'il sent trop y penser. Alors, merci, puis passez un bon week-end! Ça va bien aller!